Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour deux petits easter eggs à la tour que tout le monde ne connaît pas forcément, donc je vous partage l'information. Le premier, il se trouve à l'ancien emplacement de Benoît, vous savez, en passant par chez Ikora. En fait, là, logiquement, l'emplacement, il est barricadé, mais quand vous y allez, pas de Benoît, bien évidemment, mais une horde de fantômes qui vous attendent. C'est assez glauque, surtout la première fois quand on s'y attend pas. Donc voilà, vous êtes parmi les fantômes à la tour. Et c'est plutôt sympa de partager cette information. Et la deuxième, là, je pense que tout le monde la connaît, ça se passe tout simplement à la cour centrale, là où vous avez le grand arbre juste en face de vous, là où il y a Eva Levante, la responsable de la faction de la fête des âmes perdues. Et en fait, vous pouvez, pour ceux qui ne le savent pas, escalader cet arbre. Et en fait, l'escalader vous permet de récupérer des bonbons. Après, j'ai pas fait encore ce petit easter egg, mais je le fais avec vous. C'est l'occasion pour moi d'aller les récupérer. Et je ne sais pas jusqu'où on peut monter. A priori, il y a une autre plateforme ici encore. Tac. Et je pense qu'on a atteint le sommet. Il y a une dernière ici, où là on récupère des pièces étranges en chocolat. Carrément, il y a même un petit chat qui vous attend, un chat noir qui vous attend tout en haut de l'arbre de la fête des âmes perdues. Voilà, c'était pour partager avec vous ce petit secret, ces petits easter eggs de la tour. J'espère qu'ils vous ont plu et je vous souhaite une très bonne fête des âmes perdues à tous. Ciao tout le monde!